contrôler nos émotions. Il y a des émotions qui sont particulièrement souffrantes et désagréables, sont en fait porteuses d'un précieux message. Un message qui vient vraiment de la partie la plus pure en nous, qui veut nous dire quelque chose dans cette expérience-là. Si nous étions capables, quoi qu'il se passe autour de nous, d'être vraiment sereins, de ressentir de la joie, on peut dire qu'on serait particulièrement heureux. Seulement voilà, il y a des moments où on sent que nos émotions vraiment viennent nous chercher. C'est des moments où on voudrait les contrôler pour que finalement elles ne sortent pas et pour qu'elles disparaissent. Alors comment faire pour les contrôler? La meilleure chose pour réussir à contrôler nos émotions, c'est d'arrêter de vouloir les contrôler. On croit qu'on a un problème de contrôle d'émotions. Moi, je crois au contraire que nous avons un problème d'excès de contrôle de nos émotions. Parce que depuis que nous sommes tout petits, nous avons appris que nos émotions ne font pas bien en société. Donc, on nous a appris vraiment à les contenir. Bah, petit à petit, on a pris l'habitude de ne pas trop nous écouter et d'être complètement déconnecté de nos émotions. Toutes les émotions que nous enfouissons, eh bien, elles s'accumulent. Et nous allons pouvoir nous déclencher, ça va être vraiment le moment pour nous, à force de vouloir contrôler nos émotions, eh bien, de les laisser exploser, de les laisser sortir, pas forcément de la bonne manière. C'est ça que ça donne lorsqu'effectivement on essaye de vouloir contrôler nos émotions. Ce que vous voulez, c'est pouvoir être libre de ressentir vos émotions sans qu'elles explosent, qu'elles puissent sortir, mais au bon moment, de la bonne manière. Le meilleur moyen pour ça, eh bien, c'est de lâcher le contrôle et de rentrer dans la maîtrise, c'est-à-dire de commencer à vouloir maîtriser vos émotions pour plus qu'elles puissent vous embarquer et vous mettre dans des situations qui sont vraiment extrêmement inconfortables. Comment faire pour pouvoir aller vers cette maîtrise d'émotions? La prochaine fois que vous aurez une émotion désagréable qui arrive, je vais vraiment vous inviter à l'accueillir avec vos deux mains et puis à respirer profondément. Pendant que vous êtes en train de respirer, vous êtes en train déjà de prendre du recul et de ne pas embarquer. Ensuite, vous allez nommer cette émotion. Vraiment essayer de nommer cette émotion pour vraiment identifier ce que vous ressentez. Est-ce que c'est de la colère, de la tristesse, de l'anxiété, de l'humiliation? Et en troisième point, ressentez dans votre corps où se situe cette colère ou cette tristesse. Lorsque vous êtes en train de décrire ce processus en trois étapes, déjà vous êtes en train de prendre du recul par rapport à votre émotion et vous lui évitez donc de prendre davantage de place. Une fois le calme revenu, posez-vous la question suivante. Si cette émotion était venue dans votre intérêt pour vous donner un précieux message, quel serait ce message ? Alors sachez juste que la réponse vous concerne vous. C'est toujours un message sur vous. Peut-être que vous n'avez pas posé vos limites, peut-être que vous devriez vous écouter davantage. Un besoin n'est peut-être pas comblé en vous intérieurement en ce moment, mais la leçon, le message est toujours sur vous. Si cette vidéo vous a aidé, je vous invite à la partager à des gens qu'elle peut aider également, à me laisser vos commentaires pour que nous puissions échanger ensemble, c'est toujours très riche. Si vous voulez que je traite de thèmes en particulier lors de mes prochaines capsules, n'hésitez pas à me le mettre également dans les commentaires et j'aurai le plaisir de vous construire des vidéos sur mesure pour répondre à vos besoins. Merci de votre confiance, je vous retrouve très bientôt. Thank you.
Thank you.